Ce cargo cachait 4,5 tonnes de cocaïne parmi des vaches. Ce paquebot, appelé le Orion 5, était surveillé depuis longtemps par les services antidrogues espagnols. Il est parti de Colombie pour se rendre au Liban. Mais il a été contrôlé au large des îles Canaries, en Espagne. Le Orion 5 transportait 1750 vaches à son bord, mais dissimulait aussi 4500 kilos de cocaïne. La drogue était cachée au milieu des sacs d'aliments pour le bétail. La valeur totale de cette marchandise est estimée à 105 millions d'euros. Après cette découverte, la police a forcé le navire à accoster à Las Palmas. Les 28 membres du navire ont été placés en état d'arrestation, mais sont restés à bord pour s'occuper des vaches. Ces dernières semaines, deux autres paquebots en provenance d'Amérique latine ont été interpellés au large de l'archipel des Canaries. La police espagnole assure que le trafic de drogue en provenance de la route de l'Atlantique est en augmentation.